Projet T-Rock. Salut, bienvenue sur Projet T-Rock. Aujourd'hui, on va du côté de Nice pour découvrir Erevan. Que le deuxième groupe niçois qui passe sur la chaîne. Après le post-rock de Solar Supplice, voici donc Erevan. Et après tous ces groupes de métal que je vous ai proposé dernièrement, on va se la jouer plus cool. Et vous allez voir, c'est aussi super bien. L'histoire d'amour entre la musique et Erevan remonte à son enfance. Un père mélomane et musicien. Il apprend le solfège au collège, joue un peu de saxo. Il apprendra la guitare en autodidacte. En 2000, il fait ses premiers pas dans un groupe qui joue essentiellement des reprises. Puis s'essaie en solo par la suite, mais la vie est faite de rencontres, et celle de Alexandre Lamia, qui fait partie de Nine Skies et de Solar Supplice. Tiens donc, ça me dit quelque chose ce nom. Celui-ci va le lancer dans sa carrière en rajoutant des compos, en faisant des concerts ensemble, et enfin sortir une première démo. On est en 2017, Erevan semble bien parti pour sa carrière solo. D'autant que cette première démo s'écoule plutôt bien. Par la suite, Erevan intègre la flûte irlandaise, et amène une sonorité celtique à son rock progressif. C'est très réussi, et il nous parle de violence, de guerre, de l'absurdité humaine, à travers des morceaux parfois acoustiques, d'autres avec de très beaux solos guitare. On se laisse emporter par ses mélodies, c'est très agréable, il ne reste plus qu'à sortir un album. Vous voulez un album d'Erevan ? Eh bien, encore un peu de patience, car il sort vendredi prochain. Autant dire que les 4 morceaux que je vous passe sont en exclusivité pour Projet T-Rock, donc on remercie Erevan et Bad Dog Promotion pour ce très beau cadeau. À côté de ça, Erevan est professeur des écoles à temps plein, donc cela laisse peu de temps pour les concerts. Néanmoins, il compte monter un groupe à 5 ou à 3 pour faire quelques lives au niveau local, voire régional. À côté de ça, Erevan a pas mal de projets. Il évolue également dans un groupe de covers et devrait reprendre quelques concerts. Erevan écrit également des textes en français pour un public plus enfantin. L'objectif est là aussi de sortir un album, mais il lui reste encore quelques morceaux à finir avant de concrétiser ce projet. Enfin, il va récupérer 2 ou 3 titres de sa première démo pour les réenregistrer avec les moyens d'aujourd'hui et pour les faire figurer dans un prochain album dont il a déjà commencé à composer et qui sera toujours dans la veine prog-rock orchestrale à tendance celtique. Voilà, c'était Erevan, j'espère que vous aurez apprécié cette découverte. En tout cas, moi j'ai beaucoup aimé. J'aime toujours un peu ces consonances celtiques. Après, c'est peut-être dû à mes origines bretonnes. Mais n'empêche que je trouve que ça sonne super bien. Et c'est vraiment très très bon. Donc, très belle découverte pour moi. N'hésitez pas à me dire en commentaire ce que vous avez, si vous avez aimé le groupe et éventuellement la chronique. Et pour le peu de concerts qu'il a pu faire, et bien si vous avez eu la chance de pouvoir le voir, comptez-nous. Comme d'habitude, je vais vous parler du Tipeee et du Utip qui sont là pour aider à financer la chaîne pour réaliser des compiles. Donc si vous voulez soutenir la chaîne pour ce projet, et bien les liens sont dans la description. Et si vous voulez récupérer la première compile qui est sortie également en numérique, elle est sur le Bandcamp. En prix libre, donc gratuite avant tout, et vous pouvez toujours soutenir la chaîne aussi par ce site là. Abonnez-vous à la chaîne, activez la cloche pour ne manquer aucune vidéo, et puis bien sûr, si vous avez apprécié, likez et partagez. C'est très important de partager pour le référencement de la chaîne et pour bien sûr, évidemment, donner toujours plus de visibilité au groupe. Il est temps de vous laisser, et je vous passe comme d'habitude un dernier extrait. Et moi, je vous dis à bientôt pour une prochaine chronique. Ciao! Nobody's fault, just a twist of fate, yeah. It's nobody's fault, just a twist of fate.